bienvenue à tous les calcinés, vous êtes le bienvenu. On est là pour une petite vidéo, juste pour parler un petit peu de la saison 9. Qui peut faire mal, voilà. Qui est un petit peu léger à mon goût. Ce n'est que mon opinion. On va voir un petit peu les armes qu'on peut gagner. Donc il y a une arme, la pistolet du pirate, que j'ai revendue. Donc je peux pas le montrer. Bon, en même temps, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de foufou. Donc on a avis d'expulsion. Donc c'est sur l'avant-poste de la fondation. Donc ils s'agrandissent. C'est en construction. Il faut virer les super mutants. Donc il faut protéger le générateur. Une grosse horde qui vient vous tuer, puis détruire évidemment le générateur. Donc il faut les empêcher, voilà, tout simplement. Vous avez de quel métal êtes-vous fait? Donc ça, c'est un event qui est sympa. Donc vous êtes dans une arène, vous êtes en équipe, et là on vous lâche, et il y a plein de robots qui sortent, et puis il faut les tuer, voilà, en gros. Et à chaque palier, donc il y a une espèce de robot. Donc il y aura un robot qu'il va falloir tuer. Un bot d'or, je me rappelle plus. Il faut le tuer et vous gagnez, voilà, des capsules en plus. Après, il y a le boss qui est là, vous le tuez, et puis voilà. Et il y a Jean Béret, un petit peu, c'est de l'eau de vie. Jean Béret, de l'eau de vie, un truc comme ça. Il y a 3 points à protéger, hein. Il faut surtout pas que les gobeurs détruisent la machine pour fabriquer la gnôle. Hors de question. Du coup, voilà, 3 points à protéger, donc il y a 4 vagues. Et entre deux, il faut remplir la baignoire qui est dans la maison, au centre, on va dire. Dans la maison, voilà, il y a une baignoire, il faut remplir de venin. Donc vous tuez les gobeurs, vous prenez le venin et vous mettez ça dans la baignoire. Mais les gens maintenant, ils sont vraiment sans gêne, quoi. Tu peux dégager, s'il te plaît ? On s'étend de jour en jour. Je peux pas... Merci. Ah, les gens. Donc voilà, puis dans cet event, vous allez gagner des trucs de déco de gobeurs. Voilà, en gros. En gros, voilà pour les 3 events. Alors, on les a farmés énormément. Hein. Il y avait énormément de monde au début. Là, en ce moment, on sent que voilà, tout le monde a eu les plans et que ça se réduit. Hein. On sent vraiment que ça se réduit. Il y a de moins en moins de monde. Et vu qu'il y a beaucoup moins de monde, ces events deviennent un petit peu plus compliqués. Faut pas se mentir. Ben voilà, par ça, je crois qu'on a fait le tour de la saison 9. Hein. Donc, à part le tableau, évidemment, le tableau qui est beaucoup plus intéressant, hein, si vous sortez votre carte bleue. Eh ouais, si tu sors ta carte bleue, c'est intéressant. Si vous n'avez pas le first, c'est comme d'habitude, à peu près. Hein. Pour du gameplay, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Hein. On fera un petit gameplay tranquillou. On va pouvoir discuter, etc. sur Twitch. De toute façon, il y a tout dans les descriptions. Il y a tous les liens qu'il faut et qui vont bien. Et il va me lâcher, lui, ou quoi? Et pour l'actu de la saison 10, restez connectés. On verra par la suite. Bon, ça a déjà été vu, on a déjà vu pour la saison 10, etc. Mais on fera des petits retours comme ça, parce qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver sur la saison 10. Et j'ai hâte. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? On va avoir les armes? Ils sont fous. Il est complètement éclaté, le mec. Donc voilà la fameuse armure du retapeur qu'on a sur l'event. De quel métal êtes-vous fait? Donc on a plan par plan. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup? Franchement, non. Voilà, non, c'est pas la meilleure du jeu. Mais pour un collectionneur, bon, bah voilà, il va être content de l'avoir. Donc voilà, au niveau des stats, donc sur un plastron, on est à 75-30-30. Donc là, on est sur le plastron, hein, de l'armure de reconnaissance. Donc voilà, on est à 125-65-65. Voilà, au niveau des stats, c'est pas foufou, hein, en sachant que l'armure des services secrets est beaucoup mieux encore. Au niveau de l'arme, hein, on a le gifleur. Ah, ce nom, je l'adore. Donc voilà, on a le gifleur avec plusieurs types. Donc le standard. On a donc en dièse. Donc là, c'est comme des lames. Hein. Là, vous avez les clous, donc à pointe. Et vous avez à chaîne. Donc là, la petite main, c'est un rajout de ma part. Hein. Donc logiquement, dans chaque mode, vous n'avez pas la main. La main, c'est un rajout. Hein. Voilà, main de gobeur d'acide. Donc on a le standard. Moi, j'ai rajouté la petite main parce qu'en fait, voilà, comme on voit, ça rajoute des dégâts de poison. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit plus. Et pour l'event avis d'exclusion, donc pour les fondations, hein, l'avant-poste de la fondation, vous avez une énorme chance, hein, de trouver, voilà.
cette petite chose avec des balles explos qui infligent des dégâts de zone, avec une résistance aux dégâts, etc. Donc, voilà. Bon, moi, je suis pas fan, mais pareil, pour collectionneur, parce que bon, c'est par rapport à la peinture, toujours pareil. Alors, celle-là, je l'adore. L'ordre du docteur. Enfin, j'aime le nom. Après, dans le principe, voilà, ça fait pas... voilà, je suis pas fan non plus. Alors, peut-être que vous, oui. Mais par rapport à ma façon de jouer, voilà, je suis pas fan. Je suis fan du nom, en fait. La mort par le son. Alors ça, pareil, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça fait du dégât, bizarrement. J'étais pas spécialement fan, et au corps à corps, bah, ça fait le taf. Quand je vois les dégâts indiqués, bah voilà, bah ça fait pas du tout ces dégâts-là. Donc, ouais, non, c'est un one-shot, donc bah, je suis super content en fait. Avec le contrôle de foule, vous allez pouvoir gérer du monde. C'est marqué sur la crosse. Attention, on n'est pas là pour rigoler. J'ai le contrôle de foule, ça fait pas de dégâts cette merde. Bon, bref, le contrôle de foule, pas top, hein. Alors c'est bien, c'est quand il n'y a pas trop de monde, quoi. Hein, 1, 2, pas plus, hein. Parce qu'au niveau des dégâts, voilà, je préfère mon fusil à levier quand même. Donc voilà, en gros, pour les armes, et au niveau du lit cryogénique. Le lit cryogénique. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai... Je dois avoir 5-6 plans, hein, si ça intéresse quelqu'un, hein, qui est sur Xbox. Bah, je lui donnerai les plans, parce que là, j'en ai beaucoup trop, quoi. Donc si ça intéresse, n'hésitez pas. 3 nouveaux events qui sont vraiment super, hein. Ça, j'ai pas grand-chose à dire. Ils sont sympas. Après, faire 3 mois avec, je trouve ça un peu léger, hein. D'ailleurs, il y a de moins en moins de monde dessus. Ça, c'est la triste réalité. Parce que bah, tout le monde a les plans, hein. C'est beaucoup plus facile d'avoir les plans maintenant. J'espère que d'autres contenus vont arriver, car là, à part monter dans le plateau, et bah voilà, hein, on a eu les 3 events, on les a farmés, on les a fait une 30aine de fois chacun, bon bah voilà. Quand même, hein, on va pas se mentir, allez là, ça fait du bien, mais on a tous hâte, c'est de la saison 10, clairement. Et ça, on a vu ensemble, hein, la saison 10, ce qu'il y aura un petit peu, on refera des retours là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette saison dans les commentaires. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que pour vous, le contenu est suffisant ou pas? N'hésitez pas dans les commentaires, on peut en parler. Moi, en attendant, je vous dis à très très bientôt. Je suis en train de faire la vidéo justement pour le fameux concours sur le thème station balnéaire. En attendant, je vous dis ciao ciao, prenez soin de vous dans les Appalaches. Et on se dit à très très vite. Allez, bye bye.